Pour répondre au questionnaire, le plus simple est de réécrire la formule de propagation dans le vide. La puissance reçue, PR, est égale à la puissance émise, PE, multipliée par lambda au carré, où lambda est la longueur d'onde, divisée par 4pi r carré, multipliée par 1 sur r au carré. On voit tout de suite, en écrivant cette équation, que la puissance reçue ne varie pas linéairement en fonction de la distance. La première réponse est évidemment que l'affirmation est fausse. Si on multiplie la distance par 2, à ce moment-là, on voit bien que on va multiplier la distance au carré par 4 et donc on va multiplier la puissance reçue par un quart. Si on réécrit la formule liant la longueur d'onde à la fréquence, nous avons lambda égale C sur F. C'est-à-dire qu'en multipliant la fréquence par 2, on va diviser la longueur d'onde par 2. Étant donné que dans la formule, on a du lambda carré, eh bien, en multipliant la fréquence par 2, on va donc diviser par 4 ou multiplier par 1 quart la puissance reçue.